Lundi 10 septembre 2018, bonsoir tout le monde, très bonne semaine pour nous toutes sur Télévision Nationale d'Haïti, mais un grand titio pour Assoya. Travail caravane changement a continué dans le département sud, dans le département Grand-Anse. Plusieurs kilomètres route, canal à caniveau a construit pour faciliter circulation moun ak machine. Directeur général ministère culte, Evans Souffrant, rencontré lundi 10 septembre, plusieurs représentants dans le secteur protestant et appareil judiciaire. Chita Palé a été déroulé sous difficultés qui existaient dans l'enregistrement l'église, veille de nuit qui souvent dérangeait la paix publique, avec mode prédication quelques moun qui identifiaient comme pasteur Abbaï. Plusieurs élèves l'école publique et privée prend chemin classio pour deuxième semaine l'école là. Lundi 10 septembre, effectif élèves yo t'a semblé augmenter dans différents lycées avec l'école privée dans la capitale là. Dans l'occasion 55e conférence lundi de la presse, ministère communication recevoir lundi 10 septembre, directeur général, Office national assurance travail maladie et maternité, docteur Agabus Joseph. Et puis responsable commission restructuration et renforcement centre national équipement fait qu'on a toute disposition prend pour permettre aux payer employés institutions qui t'a protesté semaine passée à non pour l'argent l'état doyo. Mes amis téléspectateurs, n'a pas invité à rester branché c'est Titsayo à un pilote information qui pral fait essentiel journal l'emploi soir. Yo faut encore saluer et puis remercier tout le monde qui branchait téléjournal là pour Assoya. Yo faut encore souhaiter nous une très bonne semaine sur télévision nationale d'Haïti. N'a démarré tout de suite ensemble avec information yo non page météorologique là pour nous connaître qui genre conditions temps présentées pour Assoya et pour cette semaine là et ses collaborateurs nous Wilner Polidor qui pral porter pour nous information ça yo. Bonsoir Wilner. Merci Pasco, branché télévision nationale. Dans le SAN, c'est la seule télévision qui a porté pour prévision météorologique. Et c'est Kounia en allant commencer à y aller sous région. Nous avons trois ouragans qui ont baladé au niveau de l'océan Atlantique. Là, ouragan Florence, Jean-Noël, là, il n'est pas concerné le pays d'Haïti par rapport avec trajectoire. Nous avons la montée vers les États-Unis. Hélène aussi, il y a l'autre ouragan qui est tout près de la côte d'Afrique. La montée vers le nord, pas concerné le pays d'Haïti. Mais ouragan Isaac, tu as supposé Jean-Noël là, il y a 2000 km à l'est de Ak Antilles, mais ouragan ça, si il kembe trajectoire, nous bien dit si il kembe trajectoire ça, il t'a supposé commencer influencer région Caraïbes, disons Grandes Antilles dès vendredi à samedi et en ce sens, si il kembe trajectoire ça yo, vers le sud du pays a, tu as supposé concerner disons vers le sud de Grandes Antilles. Mais n'a prêté pour nous capables de confirmer pour au cours de ce moment est-ce que Isaac a atteint Grandes Antilles et n'a prêté informé mais pour l'instant pays d'Haïti en bas Jean-Noël là y a un mazier qui est très humide et mazier ça jeudi a la provoqué quelques averses tapis et Jean-Noël sous image satellite dans son temps qui est vraiment instable sous pays si toute région sud là cela veut dire que jeudi a n'a pas tenu avec quelques averses tapis avec quelques coups de l'orage et si tout c'est toute région sud là qui a concerné par activité la pisario en fin d'après-midi mais en soirée département l'ouest Artibonite et le centre aussi t'as supposé concerné par activité la pisario même si le nord c'est quelques averses isolées pour jeudi à mais je nous dis là instabilité avec humidité c'est ça qui a gouverné météo sous pays d'Haïti pour jeudi à pour capitale avec zone qui avait une capitale qui très en bas instabilité et cela veut dire encore jeudi à n'appartenant nous avec quelques averses la pluie avec l'orage et averses ça capable faire à modérer mais si tout c'est toute quartier qui t'as supposé concerné par activité la pluie ça pour jeudi à sous capitale avec zone qui avait une surtout en fin d'après-midi et en soirée nous avons température aujourd'hui à cap monter jusqu'à 34 degrés Celsius, ça fait chaud, mais
pour nous la descendre à 22 degrés, nous avons commencé à sentir la fraîcheur qui a venu sous pays par rapport avec la température qui commençait à descendre un peu, disons, pour température minimale. Pour la mer, nous avons une mer qui peut agiter sous toute côte nous, ni côte nord, ni golfe de la Gonavan, ni côte sud pays d'Haïti. La mer peut agiter, sauf que le capitaine, il faut prendre précaution. La pluie qui a tombé est capable de réduire la visibilité sous zone côtière pays. Et pour page astronomique, sur la couche aujourd'hui à 6h55 et la levée de matin à 6h36. Merci pour fidélité avec attention. On va croiser demain pour notre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée. Donc, quittez page météo. On a démarré d'emblée avec information. Yo, qui mène nous dans le département sud PIA. Côté travail, caravane, changement a continué. Plusieurs kilomètres route, canal à caniveau a construit dans le département pour faciliter circulation moun ak machine. Falando Delphin à Chloore Darly. Jean-Jacques te fait déplacement et un reportage. Dans la deuxième section communale Tobèk, grâce à caravane changement, déjà un travail pour construire canal dans la zone si là pour permettre l'eau à faire route li et la pluie tomber. Caravane changement a réalisé travail tout dans la commune Chantal, rivé dans la localité La Place, côté bétonnage pour entrer ville là après poursuivre. Travail dans route pour mener maniche, rivé localité fort des fonds. Technicien ak gros matériel lou ap travail pour casser mon si la, déblayer route là pour faciliter circulation. Tout série travail sa yo a permet commune yo interconnecter et améliorer conditions transport moun ak marchandises. Et puis, série travail dans le département Grand Danse après poursuivre dans la ville Jérémy. Plusieurs localités en chantier. Ça cap permet zone de bénéficier route à canal pour de l'eau passer, les lapis tombés et puis éviter inondation. Toujours reportage Falando Delphin avec l'Aurore dans les Jean-Jacques. Bétonnage route, asphaltage, construction canal à caniveau, c'est quelque travail caravane changement à réaliser dans la commune Jérémy dans le département Grand Danse. Responsable autant mais travail dans Ribois en tonnerre pour préparer route là, déposer asphalte dans zone 5 qui débouchait sous parc Saint-Louis. Dans Villa Saint-Louis, opérateur a déjà construit caniveau même Jean Acri Jean-Léopold Dominique. Technicien ministère travaux publics a travaillé même gens pour population Beké à Karakoli bénéficier yon dalo ça qui pral aider au les la pluie tomber. Chef lié département Grand Danselan Jérémy c'est yon département qui a bénéficié construction à préparation plusieurs kilomètres route dans quatre caravane changement. Nous avons parlé de ça dans Grand Sitio tout. Responsable commission restructuration à renforcement Centre national équipement CNE. Fait qu'on a yo joignant entente avec quelques employés qui étaient bloqués semaine passée à, avec matériel CNE, route nationale numéro 1, dans l'idée pour être capable de protester pour plusieurs mois salaire institution te doué yo. Président commission restructuration à renforcement CNEA, Olivier Emmanuel, fait appel à compréhension employé yo en attendant institution fin payé yo tout mois salaire yo doué yo a. Yo extrait. Nous passons savoir depuis semaine dernière que employé nous yo, employé cette nationale des équipements yo, qui était mécontent de la situation à cause de l'arrière de salaire que nous avons gagné pour yo. Donc, ça te vient permettre que, en quantité là-dedans, pour ne pas dire majorité là-dedans, tu es un matériel CNE et que tu es occupé espace et outil là. Ça vient permettre que l'arrière est un petit genre difficile pour y accéder. Et on a parlé de zone route nationale numéro 1 et devant centre national des équipements, qui est zone barreux. Certainement, ça a dû par rapport avec un problème de payroll qui est dû par rapport à un problème et budgétaire que nous avons dans le CNE. Conscient de la situation, nous avons parlé avec la présidence, le ministère des Travaux publics et le ministère des Finances. Nous avons dégagé dans tout possible pour permettre que nous jouions moyen. Et parallèlement, nous avons parlé avec l'employé. Certainement, nous sommes conscients que personne n'est pas autorisé par rapport avec droit que ou défend pour biaiser droit de l'autre monde. Et nous demandons à tout employé que vous n'êtes pas autorisé pour prendre matériel CNE et pour bloquer la rue. C'est que je dis, nous arrivons à faire. Et si vous constatez pas de venir là, ou de la débloquer, nous
antenne avec vous et par rapport avec la présidence qui accompagne vous et au même tout qui était conscient de la situation, ça vient permettre que je dis et n'a pas répondu à tout problème. Donc n'a pas payé problème à de salaire que nous avons gagné. Et certainement, employeurs tout, c'est vrai que nous sommes contents parce que ça n'a pas besoin de nous venir dimension que nous vivons là, mais certainement, il a fait le maximum de nous pour permettre que d'ici un temps très court, nous régler le problème. L'autre point dans le téléjournal, plusieurs élèves l'école publique et privée prennent un chemin classé pour deuxième semaine l'école. Lundi 10 septembre, effectif élèves assemblés augmenté dans différents lycées avec l'école privée dans la capitale. Pakisan Croix a Dieudonné Lidier pour un reportage. Pour deuxième semaine ouverture année académique 2018-2019 là, activité scolaire a continué dans la capitale là. Majorité lycée et l'école privée déjà remplie avec élèves d'après constat yo. C'est qu'à directeur lycée Toussaint Louverture, Rodrigue Duverger, expliquait que lycée a déjà rempli à 80%. Pour maintenant, là, nous sommes capables d'avoisiner à presque 80%. Ça ne veut pas dire que élèves yo pas venu, n'attendent yo. Définitivement, dans notre deuxième semaine, pas de moyen pour élever l'élève encore. Tant pour tant, c'est l'école là pour venir. Si c'est l'école l'étalier, pas de finalement épée d'Amoclès qui dit qu'on a paquet, on a l'argent pour le bail, on a propre, faut chercher l'argent, faut un budget. Non, l'État a réglé ça, il va connaître pour venir l'école. Jodi, on nous dit que son lycée déjà sur le résultat là, il n'a pas le bail meilleur résultat, performance sans fait pour le rété, idem sans qu'il ne change. Pour permettre arriver à respecter le calendrier scolaire qui gagne la dans ces 92 jours classe, directeur lycée Toussaint Louverture a annoncé qu'il prend toute disposition pour que Duverger souhaite gagner un climat politique qui aide Timounio à continuer à aller à l'école. Là. L'école là, son institution t'a de canaliser le monde. Nous pas qu'à une société sans éducation. Et nous pas qu'à bâtir le développement sans pas qu'à des monde qui formé, qui appelé pour ça. Nous tout pas qu'à faire ça qu'à faire là. Moi-même, moi dans l'éducation. Moi pense que nous pas de mélanger éducation avec politique là. Et moi pense que politiciens tout qu'on est, une mission par yo. Moi-même, moi une responsabilité par moi. Seul va m'a demandé monsieur qu'a fait grève yo, en quitter élève ba une chance pour passer une bonne année académique. On pas ta même moi élève dans la rue, élève pas rien pour avec ça qu'a fait dans la rue là. Yo qui pour venir l'école. L'école là c'est là qui permet nous bien penser, bien réfléchir. Yon peuple qui pas formé, qui pas formé, qui pas apprendre, qui pas prend temps pour l'apprendre, la prend temps pour le penser développement. Dans l'idée pour faciliter tout le monde pour chemin l'école, l'administration Moïse là qui est conscient de la situation économique difficile population, a adopté un ensemble de mesures pour assister par an, tant que subventions, ouvrages scolaires, distribution matériel scolaire, pour ne citer ça seulement. Merci Paki ak Lidier et puis n'a tout profité fait qu'on a compagnie transport scolaire Dignité mobiliser toutes ressources personnelles li nan l'idée pour offrir un plus bon service by élèves pour année académique 2018-2019 là. Darline Dorival ak Toussaint Fresnel a présenté nous un reportage sur ça. Dans l'occasion de deuxième semaine rentrée l'école lundi 10 septembre 2018 là, plusieurs superviseurs inspectés à l'autre membre d'un service transport scolaire Dignité étaient réunis sous place Christophe sous Chanmas pour assurer transport élèves. Il était environ une heure après-midi, divers élèves l'école publique qui sortit tout partout dans la zone métropolitaine étaient présents pour bénéficier service compagnie ça à Pofria. Compagnie transport scolaire Dignité, c'est un engagement gouvernement prend pour faciliter transport gratis pour tout le monde l'école. Et puis nous t'ai parlé de ça dans grand titre tout directeur général ministère culte là Evans Souffrant rencontré lundi 10 septembre plusieurs représentants dans le secteur protestant. Chita Paléant est déroulé sous difficultés qui existaient dans l'enregistrement l'église. Façon veille de nuit à organiser qui souvent dérangeait la paix publique, avec mode prédication, quelques monde qui identifiaient comme pasteur à bail. Directeur général ministère Cultlan, Evans Souffrant, précisait discussion sa yo rentré dans quatre démarches cap entreprendre pour mettre l'ordre dans le secteur protestant. Evans Souffrant a porté plus explications dans micro Stéphanie Charles avec Hervé Pierre.
situation, nous pensons que l'imander à ce que ministère Chita avec pasteur Mackinson pour nous capables au moins garder avec lui au regard de la loi certaines choses face à certaines déclarations qu'il fait et qui capable peut-être déranger et la société, déranger la famille et déranger certains monde dans la société. Donc, je dis à nous te gagner une chance, Chita avec toute grande personnalité, secteur, et nous avons une rencontre assez harmonieuse et assez discutée, eh bien, je pense que nous arrivons à certaines décisions qui sont capables, eh bien, mieux articuler dans le secteur protestant dans les temps à venir. Décision sérieuse, c'est surtout sur, par exemple, les problèmes qui gagnaient dans la veille de nuit, dans le bout qui a fait, certaines familles qui n'ont pas dormi, peut-être certaines décisions, tout nous prendre des décisions face à des bruits qui a fait au niveau de pratique veille de nuit, pratique cinquantaine, 40 jours la prière, etc. Ça, c'est le premier bagage nous chita nous garder ensemble et que pasteur yo promet que yo pourra le corriger yo parce que décibel yo, là yo trop fort, yo porté à tête hein, à certaines personnes. Et il y a l'autre décision tout, nous après parce que nous pas chita seulement sur réunion aujourd'hui, hein. Nous prenons chita ensemble sous l'autre dans l'autre réunion pour nous garder quelques autres grandes décisions pour nous prendre ensemble avec yo pour que au moins secteur capable mieux articuler. Par exemple, où il y a question de faux papiers et que certains monde a glissé dans dossier pour yo capable arriver à sermenter tout ça. C'est des décisions nous capables chita garder ensemble qui je nous capable et bien aider pour que et bien moun kap vini ici a pour yo assermenter que dossier yo capable des dossiers qui correct dossier yo capable des dossiers qui et bien répondre à ça que ministère a mandé. Donc en un mot réunion aujourd'hui on capable dit c'est un déclencheur. C'est un déclencheur qui est lié dans la mesure où nous pas prêter seulement sous réunion aujourd'hui, mais nous prenons le chita ensemble hein, dans les temps à venir, en pile fois, pour nous capables au moins aider le secteur, reprendre place li, comme un secteur religieux fort en un pays et pour le bien du peuple. Toujours dans le sujet ça, dans l'occasion rencontre là, représentant Fédération l'Église protestante, révérend pasteur Sylvain Exantus, souhaitait une disposition qui prend pour créer plus harmonie dans le secteur SILA. On écoute précision, pasteur Sylvain Exantus. En pile dans des autres qui ont fait là, c'est le ministère des cultes qui a occasionné. L'administration aujourd'hui a fait effort pour réguler. Mais ancienne administration, yo, c'était corruption dans la question pour les gens qui viennent pasteur. Ok. Des gens qui viennent pasteur, ils n'ont pas aucun papier dans les mains. Les gens viennent là, bas l'argent. Les gens qui baillent l'argent, ils cherchent papier baccalauréat pour lui. Ils cherchent papier théologie pour lui. Ils cherchent tout autre papier et puis la sermenté. Et puis, c'est toute qualité de gens qui baillent le secteur à problème. Sale image, tout pasteur qui a fait effort. Ça a révolté nous-mêmes dans la Fédération protestante d'Haïti. Nous dit que ça a besoin de suspendre. Nous demandons, il faut que le ministère des cultes plus sérieux dans étudier le dossier qui a vint pasteur. Parce que là, il y a un paquet de directeurs d'opinion qui n'ont pas fait études, qui n'ont pas formé. Nous, ils n'ont pas formé au pied du maître et au pied d'aucun mentor. Moun sa yo qui vient directeur d'opinion, yo pa el, yo pa plus aucun moun qui a pensé de yo, yo pa ka bay sa yo pa gagner. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause dans téléjournal là, amis téléspectateurs, n'a pas invité aurait été branché, n'a pas tout. Merci parce que nous toujours été branchés. Informations sous TNH, journal long à poursuivre pour nous faire connaître, pour célébrer journée mondiale premier secours, 9 septembre. Responsable centre ambulancier national, yo, CAN, organisé yon journée porte l'ouvrir à dimanche long dans le local Maïgaté. Dans l'occasion, un responsable MSPP, yo, réalisé test dépistage, tension, axique, pour quelques citoyens. John Herbicaceus à Crémy Godjit a présenté nous un reportage.
Journée porte l'ouvrir ça, c'est occasion pour responsable ministère santé publique et population faire dépistage maladie sick et hypertension pour moun nan maïgaté à l'autre zone qui tout près centre ambulancier national. Pendant journée, professionnels de santé yo fait consultation et puis expliquer yo ça yo doit faire pour faire prévention contre maladie cardiovasculaire. Activité ça fait partie du programme Caravane pour promotion comportement sain contre maladies non transmissibles avec dépistage, selon le docteur Rodney Dupuis. Maladie ça, c'est des maladies qui ont fait ravage ces derniers temps dans la société. Et que le ministère a profité de l'occasion ça pour que l'y fait ces séances de dépistage. En façon pour que quelqu'un ait une idée claire de qui quantité de monde dans la population qui fait attention, qui quantité de monde qui fait sucre. Après, il y a plus de jeunes et actuellement là, qui ont fait des cap dépistés pour maladies sucre, qui ont dépisté pour maladies attention. C'est parce que en plus longtemps, c'était qu'on dit c'est grand monde qui était qu'on fait sucre, c'est grand monde qui était qu'on fait attention. Mais ces derniers temps, et ont tendance pour que les jeunes viennent développer maladie ça. À travers des massas, l'État haïtien visé réduire le phénomène maladie cardiovasculaire dans le pays, selon le docteur. Le ministère de la Santé publique a lancé un appel à toute la population en général pour que yo cherche à l'ensemble de santé, à chercher à connaître si vous n'avez pas fait sucre, à chercher à connaître si vous n'avez pas fait attention. Parce que ces derniers temps, maladie ça a fait un pile ravage dans la société. Ça a aidé pour nous-mêmes dans le ministère de la Santé publique, à travers des données, nous avons fait une prise en charge et plus ou moins approfondie dans la structure sanitaire qui déjà existe. Activité ça qui réalisé dans l'occasion célébration Journée mondiale premier soin yo, té occasion pour responsable centre ambulancier national yo sensibiliser ak former jeunes yo sur comment yo capable aider yon moun ki nan situation urgence. Toujours dans le sujet ça, directeur centre ambulancier national lan, Didier Hérold Louis, mandé population utiliser numéro 116 pour mander secours dans centre ambulancier national pour moun qui n'ont besoin urgence. Responsable Canlan qui fait déclaration ça dans occasion célébration Journée mondiale premier soin yo, fait qu'on a institution l'Abgeria a fait en pile j'effort pour arriver porter accompagnement by population. Précision. Le Centre Ambulancier National, c'est le premier maillon chaîne service soins ministère Santé publique. Et c'est le Centre Ambulancier National qui est intervenu avant pour prendre les gens qui sont malades, les gens qui sont blessés, me laisser dans accident machine, accident moto, les femmes enceintes qui ont des difficultés, pour prendre et stabiliser par les premiers soins avant qu'ils soient transportés vers un centre de santé, vers un hôpital, côté qu'ils soient capables de joindre des soins depuis après appropriés pour eux. Et le personnel là, il est conscient du travail à faire, il comprend l'importance du travail à faire. Et bien entendu, tout n'est pas rose. Et en tant qu'être humain, il y a des frustrations qui sont liées à travail qu'on va faire même. Et c'est le ministère de la Santé publique, lui-même, comme et ministère qui chapeauté et Centre Ambulancier National, pour justement lui améliorer les conditions de travail, lui permettre que le personnel, ça lui-même, lui retrouver lui et davantage dans le travail que l'affaire. Mission Centre Ambulancier National, même, c'est bail assistance à secours à tout le monde dans la population. Blessés, personnes âgées, femmes enceintes, tout le monde qui a des difficultés. Mission, nous, c'est bail assistance secours sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons fait ça à travers un plus gros réseau ambulancier qui est dans le pays. Centre Ambulancier National compte entre 60 et 70 ambulances distribuées dans différents départements géographiques du pays. Message là, c'est 116. Message là, c'est 116, c'est le numéro d'urgence pays. C'est lui-même, nous avons besoin de guérir réflexe, le grand problème, le grand accident. Il prend le téléphone, relais 116. Lorsqu'il finit les 116, on va relayer la police. Lorsqu'il finit la police, on va faire photo. Mais c'est 116 là, d'abord, au fait, parce que c'est l'institution ça lui-même qui gagne mission pour porter secours, assistance à monde qui a besoin. Nous t'ai parlé de ça dans Grand City Auto, dans l'occasion 55e conférence lundi de la presse, ministère communication recevoir lundi 10 septembre, directeur général, office national, assurance, travail, maladie et maternité, docteur Agabus Joseph. Dans l'occasion, directeur général a présenté différents strictis sanitaires au FATMA à travers PIA, parmi eux, trois unités dialyse médicalisées qui dans l'Ouest, Nord, Ac Sud. Docteur Agabus Joseph t'a profité de dresser un bilan positif sous fonctionnement au FATMA. L'itinéraire en micro Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint pour Télévision Nationale d'Haïti. Trois unités dialyse, si nous capables de bailler bilan de lait inauguré à journée jodia, nous capables de dire que
bilan plus que positif. Parce que pas un jour, pas une heure, pas une seconde, que yon nan san dialyse sa yo te suspend fonctionner. Yo toujours fonctionné en plein régime 24 sous 24. Et nombre de séances que nous que centre dialyse a fait au CAI dans le sud, c'est 345 séances de l'aile inaugurée 11 août à août 2018. Donc nous fait 345 séances et nous avons en tout 25 patients. Pour cap haïtien de inauguration 14 août 2017 à journée jodia, nous fait environ 449 séances et nous avons 21 patients. Un peu de patients, nous, c'est des patients comme nous connaissons qui viennent faire vacances et qui tout trouvé centre de dialysa qui tout prend service. Non, c'est des services que nous n'avons pas jamais trouvé et que nous avons obligé de traverser frontière pour aller à Saint-Domingue pour aller trouver service. Non, qu'on y a que nous avons trouvé sur place pour l'Ouest. Nous fait environ de l'aile inaugurée le 17 mai 2017, nous avons environ 90 patients. Et total séance que nous enregistrons pour l'Ouest, cité militaire, c'est 2748 séances. Donc, pour trois centres de dialysio, environ, nous fait 3542 séances. 3542 séances. Et total patients que nous avons, c'est 136 patients. Dans la même occasion, directeur général au FATMA, Dr Agabus Joseph, présentait le programme 4 PAM LAN, qui est une stratégie d'après lui qui aide à faire face à divers problèmes yoté gagnant pour bail quelques assurés cartio. Puis loin, directeur général l'a expliqué, dans 4 programmes, ça gagne 3 catégories professionnelles qui gagnent attention particulière. C'est professeur yo, policiers yo, et professionnels santé yo. En suivre. 4 PAM y inspiré en grande partie de Caravane du changement de son excellence le président Jovenel Moïse. Stratégie 4 PAM nan, c'est aller dans usine yo, aller dans ministère yo, voyer des techniciens qui fait photo sur place et qui fait moun yo rempli formulaire yo, prend document yo et même côté yo émet 4 là. Parce que assez souvent, il a sacrifié au Fatma, dit que le pas bail 4. Cependant, pour nous bail 4 là, gon préalable qui c'est document pour entreprise nan voyer ba nou et à partir de document ça yo qui gain extrait d'archives de photos sin ou nif pour que nous fait 4 yo assez souvent yo pas voyer document ça yo et puis c'est au Fatma y a dit qui pas émettre 4. Nous-mêmes dans stratégie pas nous, dans stratégie 4 pas non, nous n'aller sur place dans entreprise et dans ministère pour que nous fait document ça yo sur place pour que yo pas prend au Fatma à défaut. C'est ainsi que dans bienfait stratégie 4 PAM non pour secteur public non ministère nous gain 3 entités que président de la République non mandé que pour nous mettre pour nous bailler en pile attention entité ça l'autre information n'a pas porté pour nous. N'a fait qu'on est recteur université Kiskeya accompagné yon groupe étudiant visité samedi qui était 8 septembre dans localité Moyette, 8e section communale Tigouave. Benicia souffrant qui ganti non jouette li madan jamba. Na occasion visiteur yo profité fait connaissance à grand moun sila kap fêté d'après sa yo di 125 l'année existence li. Louinel Jean-Louis Akritchi de Gerville te fait déplacement y a présenté nous un reportage.
Bénéficiaire souffrance en 25 l'année, qui est un joueur de madame Jamba, il a chance qu'on ait 5e génération. Malgré les aveugles, les moitiés sourdes, et puis ta santé commençait à détériorer, ça n'a pas empêché de répondre à toutes questions. Je suis un homme qui est un homme qui est un homme. Il y a un monde qui est un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Un garçon ne va pas la main. Adieu, mon nom. Je ne sais pas si je suis un homme. Combien pour attendre mon ancien pour pas la main. Je ne sais pas ça. Habité dans la localité Moyette, 8e section communale Tigouave, Bénéficiaire souffrant c'est Omar Assa. Le dégain sur Jimeli qui était relé Merzelia souffrant, qui mourit depuis plusieurs années, selon ça, il racontait. Maman peine de porter ma ça. Je perds, je perds. Dans toute ma ça, c'est mon gang qui l'a ma bague. Je ne vais pas manger. Madame Jamba a environ 40 petites. Mais toutes petites palio déjà mouri. D'après Rosie Lagay, 42 l'année, qui c'est une petite madame Jambayo, qui t'a expliqué comment y a vivre dans Kaila avec Bénéficiaire souffrant. Nous faisons marathon, nous faisons équipe. L'équipe ça va là, l'autre équipe l'a remplacé. Grande pas gain maladie qui a dominé, tellement que l'aide qu'on a une douleur dans le genou, qui n'est pas trop grave. Grande pas impertinent. Moi-même, pour moi seul, m'habitue à grand monde. Ou quand début grand monde a marché dans la vie, il faut accepter les gens ou les gens qu'on soit prendre. Cause. Ou mon pas connait dans qui là on va avancer, ça qu'arrive ou va courir d'elle peut-être dégoûtant ou pas connait qui va venir nous même. Docteur université Kiskeya, Jackie Lemac qui était organisé visite ça, expliquer situation difficile madame Jambate qu'on a vive. Après visite professeur a été fait dans mois passé là, université Kiskeya déjà construit un caille pour madame Jamba et puis prend en charge toute responsabilité pour toute reste ville. Pour monde qui gagne 125 ans, c'est là j'ai dit moi, pour pas qu'elle bâcule vive, on va servir avec aspect humanité là pour fond bagage éducatif tout. Je vous ai dit non, nous pas venir aider là, nous pas venir organiser, nous pas aider faire caili, nous pas et un budget pour nourriture lui, pour monde capable prendre soin de lui et santé et hygiène tout bagage ça. Nous constituer famille là, nous proposer fond fondation. Et même si manager Jamba pas dans encore, il y a fond fondation manager Jamba. Et l'idée fondation ça que qui a pris naissance là dans 8e section Tigouave, c'est dit que est-ce que l'autre grand monde qui est dans situation madame Jamba qui a des difficultés pour finir vie, est-ce qu'on pas ca aider au même gens et les ça des fondations. Donc c'est pour me dire que nous pas gain moyen faire ça dans cadre politique général. Bénéficiaire souffrant pas seulement un personnage qui vit avec plus passer un set dans pays à l'en considéré l'hormine à lui qui vit dans la commune Gangouave, madame Eraïs Jura, qui a 117 l'année, qui vit dans la localité de Lande, 4e section communale Tirivière la Tibonite. Et puis, quand on a fait qu'on ait un parti politique patriote rassemblé pour sauver la caille, Parasol, condamné lundi 10 septembre, Zach Brigandaï Yodi, qui fête sous caille président Sénat République, là, Joseph Lambert. Responsable Parasol, là, Yvan Bonhomme, poté solidarité, le bail président Sénat, pendant le souhaité, autorité concernée, fait lumière sous AXA, et en façon pour qu'arriver identifier hôtesse AXA. On pour commencer, parti politique Parasol a condamné à toute force li. Zach Brigandaï malhonnête, Zach terroriste qui fait sous président, sous caille président Assemblée nationale là, du même coup président Sénat haïtien qui c'est monsieur Joseph Lambert. Parti politique Parasol non seulement a dit l'hypothèse sympathique à président Lambert, mais aussi les condamner Zach ça et mandé pour l'action publique mettre en mouvement pour être capable d'arrêter, identifier et arrêter mener devant le tribunal tout auteur à tout complice qui fait Zach qui commet Zach malhonnête ça. Attaquer résidence officielle, un président de l'Assemblée nationale, c'est une attaque contre la sûreté de l'État. Donc nous-mêmes nous demandons au plus haut niveau pour que l'État l'assume responsabilité. Moment arrivé pour nous prendre une dernière pause. Nous dans le journal ça a été branché. Toujours dans l'actualité, en l'autre bord de l'eau, il y a un individu armé avec un couteau blessé 7 personnes hier dimanche dans la ville de Paris, en France. Parquet français a ouvert une enquête pour homicide volontaire. On suit.
Il y a un individu en trentaine d'années qui a un couteau agressé plusieurs monde dimanche 9 septembre dans la ville Paris. Individu à Messa qui a une nationalité afghane blessé environ 7 monde, 4 parmi eux dans un état critique. Assaillant monde dans zone d'intérivé désarmé et puis maîtrisé, t'es hospitalisé en après à cause coup littéré ses voix dans la tête. Ministre intérieur français Gérard Colomb salue courage citoyen yo avec travail brigade anti-criminalité. Dans ce stade ça, incident pas présenté aucune caractéristique terroriste, paquet français a seulement ouvri une enquête pour tentative homicide volontaire. Pendant le dernier mois, ça y est, plusieurs attaques à examen blanche faites dans le pays la France, groupe État islamique l'a revendiqué, puis fort attaque ça y est. Mais rappel grand titio, travail caravane changement a continué dans le département sud et dans le département grand dense. Plusieurs kilomètres route, canal à caniveau a construit pour faciliter circulation moun ak machine. Directeur général ministère Kirtland Evans Souffrant rencontré lundi 10 septembre plusieurs représentants d'un secteur protestant avec appareil judiciaire. Chita Palé a été déroulé sous difficultés qui existaient dans l'enregistrement l'église, veille de nuit qui souvent dérangeait la paix publique avec mode prédication, quelques monde qui identifiaient yo comme pasteur Abbaï. Plusieurs élèves l'école publique et privée prend chemin classio pour deuxième semaine l'école là. Lundi 10 septembre, effectif élèves ont assemblé augmenté dans différents lycées avec l'école privée dans la capitale là. Dans l'occasion 55e conférence lundi de la presse, ministère communication recevoir lundi 10 septembre. Directeur général, Office national assurance travail maladie et maternité, Dr. Agabus Joseph. Et puis responsable commission restructuration et renforcement centre national équipement, fait qu'on a toute disposition prend pour permettre aux payer employés institutions qui t'a protesté semaine passée pour l'argent l'État doué. Merci tout le monde qui t'a suivi. Premier sorti, journal lent pour semaine ça, nos présentations. C'était Linila, Sandra André qui était ensemble avec nous. Nous avons remercié toute l'équipe qui t'a mobilisée pour te révérendre ni possible. Et puis nous avons souhaité une fois encore une bonne semaine et une très bonne soirée sur Télévision Nationale d'Haïti. Au revoir.